On termine cette chronique en musique avec les Celtic Tramps. Depuis la sortie de leur deuxième album au printemps dernier, ces musiciens continuent de piocher et creuser un répertoire semblant tout droit sorti d'un pub ou d'un navire voguant sur la mer d'Irlande. Ils étaient cette semaine au séchoir à Attignéville pour enregistrer un nouveau titre. Nous sommes allés à la rencontre du plus celtique des groupes Laura. Down the boring green came my sweet Colleen, and she smiled, she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her net brown hair. Such a winsome elf, she has shook myself out to see as we did. From Bantry Bear to Berry's Bread, from Gorda to Berry Town. Les Celtic Tramps, c'est un groupe de 9 musiciens qui se sont rencontrés pendant le premier confinement. Rencontrés musicalement parce qu'on se connaissait tous plus ou moins. Et donc voilà, c'est une réunion de plein de musiciens qui, du fait de l'inactivité obligatoire du confinement, se sont retrouvés à enregistrer, ça a créé les Celtic Tramps. Naufragés du Covid, c'est dans la musique folk que les Celtic Tramps ont trouvé le moyen de s'évader. Dans leur répertoire des chants de marins et des ballades irlandaises, autrefois interprétées par les Chieftains ou les Pogues. On se réapproprie les morceaux. C'est pas vraiment des reprises, on les réarrange, etc. On en fait notre version. Et les chansons qu'on écrit, nous, ça va un peu plus s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre les codes de la musique traditionnelle irlandaise ou même celtique, générale. Ça peut être de la musique suédoise, etc. Et on va la moderniser. Le groupe compose également ses propres morceaux. Sur leur deuxième album, les Celtic Tramps évoquent la Lorraine qu'ils rêvent de relier à la Bretagne. Un répertoire qu'ils partagent aujourd'hui dans les salles de concert de la région. Oh bah c'est grand public, ça s'adresse à tous. C'est plus pour même pour ceux qui sont justement pas bercés par ça. Ce serait plus pour faire accéder à un public qui n'écoute pas ça habituellement.